Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer d'appeler Paul. Paul. Putain, je crois que je suis tout seul cette fois-ci. Paul, il est pas arrivé. Bon bah tant pis. Je vais faire cette vidéo tout seul. J'avais une super idée pour vous de toute façon. Dans cette vidéo, vous allez voir les 5 meilleures vues GoPro en surf. Parce que les vues GoPro, c'est vraiment pas simple à faire. Oh tiens, petit tricks. Ouais, c'est vraiment pas simple à faire les vues GoPro. Je sais pas si vous avez déjà essayé de vous filmer en GoPro, mais souvent on voit pas le haut de la vague, on voit pas nos pieds. Enfin, en fait, pour avoir des belles vues GoPro, il faut des conditions exceptionnelles, faut des grosses vagues, faut prendre ses... vous avez compris. Donc c'est parti, on va vous balancer ça. 5 clips GoPro que j'ai personnellement trouvé magnifiques. Mais juste avant ça, n'oubliez pas, pour participer au concours et gagner le cadeau d'une valeur de 300€, on le donnera normalement dans la vidéo de la semaine prochaine. On l'a dit, c'est pour notre public féminin, mais c'est aussi pour vous, messieurs, à offrir à madame. C'est une valeur 300€, ça va forcément faire plaisir, c'est un gros cadeau, c'est tout neuf. Et pour ça, il faut liker la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube OASurf, c'est important, et répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo. Je vais vous la poser dans le milieu de la vidéo, fin de la vidéo, à vous de trouver. Faut bien regarder la vidéo en entière et répondre à ça. Allez, pour cette première vidéo, je vous balance une vidéo de TikTok de Water and Light, je sais plus comment il s'appelle exactement, je crois que c'est ça. Je vais vous mettre son nom, son TikTok tout de suite, et vous allez voir, il fait des TikTok avec des visions GoPro qui sont assez impressionnantes, des fois des GoPro 360, et c'est vraiment stylé à voir. Je vous mets ça et on passe sur les prochaines après. Bon bah j'espère que vous avez kiffé. Maintenant on passe à celle de Monsieur Slater, vous allez voir, assez impressionnante. Vous avez vu celle de Slater, elle est vraiment pas mal. En même temps, il y a une piscine à vagues. On rêverait tous d'en avoir une. Mais sa vision rend vraiment bien, enfin, je trouve. 3-6 fronts de cheville, premier coup. Loupé. Non, franchement, quand je regarde la piscine à vagues de Slater, je sais pas vous, mais ça me donne envie de dingue. Vous imaginez, on aurait une piscine à vagues pendant le confinement. On pourrait surfer non-stop tous les jours, une vague parfaite. Tu progresses en surf, tu kiffes. T'es dans l'eau, là je tuerais pour aller dans l'eau pour aller surfer. Mais bon, on se tient aux règles. Bon, un best of GoPro ne peut pas se passer sans une vidéo de Kyleni parce qu'il est toujours aussi fou. Donc voici une petite vidéo de lui en gun. Pour ceux qui surfent, vous allez comprendre à quel point c'est impressionnant. On le voit, on le sent que c'est, que ça envoie, que c'est dur. C'est parti. Maintenant on passe à une vue super sympa. Et regarde bien jusqu'au bout, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'un seul tube. Dernier que je trouve dingue. Enfin pas aussi dingue que ce 3-6 pop que je... Si je mets pas le 3-6 pop là, je coupe la vidéo. Merde. Ok, j'arrête de causer, je te balance la dernière vidéo et après t'auras peut-être la question pour participer au concours. Regarde-moi cette dernière vidéo, c'est interminable.
franchement, ce spot en Namibie, il est dingue. Le tube est dingue, ça ne s'arrête jamais. Le truc, c'est infini. Je pense qu'il se prend toutes les secondes de tube qu'un surfeur pourrait se prendre en toute sa vie en une seule vague. Enfin, c'est ouf. Et la question pour participer au concours, tu dois répondre dans les commentaires, c'est quelle vague tu as préférée. Simplement, tu réponds dans les commentaires quelle vague t'as préférée. Like la vidéo, abonne-toi et on vous remercie du soutien qu'il y a sous chaque vidéo. Pour tous ceux aussi qui nous suivent sur Instagram et ceux qui nous suivent sur TikTok, merci à vous. On vous prépare plein de nouvelles vidéos dès que ce confinement sera terminé parce que nous, ça se passe beaucoup dehors. Mais vous voyez, ça ne nous empêche pas de faire des vidéos et à kiffer avec vous. Donc on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.